Dans la rétro d'aujourd'hui, on va revenir sur le parcours de Nadège qui nous a éblouis. Merci Nadège, mais arrêtez, c'est d'un an. Bien, Nadège, sachez que vous avez laissé une trace indélébile dans l'aventure Secret Story. Cher Nadège, on aurait pu se souvenir de vous pour vos confessions surprenantes. Et effectivement, vous ne nous avez pas menti, Nadège. Toujours la bouche pleine, hein. On aurait pu également se souvenir de vous comme du meilleur système d'alarme jamais installé dans la Maison des Secrets. Mais Nadège, voici les trois bonnes raisons pour lesquelles on se souviendra de vous à jamais. Numéro 3, on se souviendra d'abord de vous pour la jeune femme romantique que vous êtes. J'imagine un homme brun, ténébreux, grand. Et Secret Story a exaucé vos vœux, à un détail près, puisque la voix a demandé à Thomas et vous-même de faire croire à tout le monde que vous étiez frère et sœur. T'es pas tombée amoureuse de moi quand même. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es amoureuse de moi? Je suis en train de devenir folle. C'est l'horreur. Heureusement, sitôt votre secret découvert, vous avez pu enfin vivre un véritable conte de fées. Ouais, mais bisous, sois un peu amoureux. Je suis amoureux de toi, je suis fou de toi. Allez, mais vas-y. Ça va, oh. Mais je peux me reposer un petit peu. Tu veux de moi comme couple? Non, alors ferme ta. Je mérite un mec qui me kiffe. Bah, c'est ce que je te dis. Je mérite mieux que toi pour avoir un amoureux. Un amour indestructible basé sur l'échange et la communication. En somme, une histoire qui vous a comblé de bonheur, Nadège. En numéro 2, Nadège, on se souvient de vous pour votre détermination en amour. Comme vous le dites vous-même... C'est moi qui décide qui, quand, comment. Et oui, avec vous, Nadège, quand c'est non, c'est non. Bon, vas-y, Nadège, je vais pas te... Non, mais c'est bon, je vais pas... Non. Ah, mais viens ici. Non, je viens pas là. J'ai été idiote, maintenant je reprends le contrôle de moi-même et je reprends le contrôle de la situation et tout cela n'arrivera plus. Qu'est-ce que tu dis là? Arrête de faire chier. Ah bah non, en fait, Nadège, quand c'est non, c'est... Et enfin, numéro 1, on se souviendra surtout de vous pour votre grande victoire en finale face à Julien. D'ailleurs, un petit mot pour réconforter le perdant, Nadège. Comment je l'ai niqué, mon sneaker, bam.